Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite le tirage pour savoir comment être à notre meilleur cette semaine. Vous savez, comme à mon habitude, je vous rappelle toujours que ce sont des tirages généraux. C'est possible que ça ne vous parle pas en totalité ou pas du tout. Alors, c'est normal, là, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, mais quand même, je pense que ce sont de bons messages, de bons indicateurs sur comment on peut être à notre meilleur à chaque semaine. Vous avez toujours ma petite clé de la destinée qui est présente pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Alors, peu importe les messages qui vont être donnés ici, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. D'accord? Alors, j'espère que cette semaine a bien été pour la plupart d'entre vous, sachant que plusieurs vivent des situations difficiles et compliquées hein, au niveau de ce qui se passe à l'échelle planétaire. Alors, encore une fois, je tiens à rappeler que j'ai des pensées pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment de cette qui sont atteintes de cette maladie du COVID-19, de toutes les personnes aussi qui ont un proche qui est atteint ou qui sont en deuil de quelqu'un qu'ils ont beaucoup aimé. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui travaillent en première ligne pour assurer un bien-être, dans le meilleur du possible, le bien-être à la collectivité. Je pense aux médecins, aux infirmiers et infirmières, à toutes les personnes qui travaillent dans les épiceries, dans les marchés, les premiers répondants, tous ceux qui travaillent dans les services sanitaires, dans les entreprises d'entretien ménager aussi, toutes ces personnes-là, je tiens à les remercier et je vous invite à vous joindre à moi pour avoir une pensée particulière pour ces personnes-là. Alors, on y va avec notre tirage. Donc, on est toujours dans cet esprit, dans cette énergie, justement, de ce qui se passe actuellement, comment on peut être à notre meilleur malgré la situation. Alors, si on regarde le niveau professionnel, encore, ça continue les mêmes messages que la semaine dernière. Hein. On est en train de nous parler ici que certains probablement vont décider de créer de nouvelles entreprises. On a l'empereur, on a le chariot et on a l'étoile. Alors, ce qui est important ici, c'est peut-être créer de nouvelles entreprises, mais ça va aussi peut-être permettre de, enfin, réaliser des choses que ça fait longtemps qu'on y pense peut-être. Hein. On a peut-être eu toujours envie de faire quelque chose en particulier au niveau professionnel, mais par manque soit de ressources, de confiance en soi, peur de l'insécurité ou quoi que ce soit, on n'a pas été tourné vers nos aspirations ou vers nos rêves. On a plutôt été tourné vers le besoin de sécurité. Alors, on travaillait dans des entreprises pour notre sécurité, pour la sécurité familiale. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe et avec le fait que tout est ralenti, tout même, beaucoup de choses sont arrêtées aussi au niveau professionnel, ça nous force à essayer de chercher de nouveaux moyens pour s'en sortir financièrement. Alors, cette fois-ci, on vous dit, fais quelque chose qui va te plaire. Fais quelque chose qui répond à tes aspirations. Enfin, pour une fois, tu as peut-être l'occasion de le faire cette fois-ci. Hein, les toits, ça peut être quelque chose dans le domaine artistique, ça peut être quelque chose dans le domaine des médecines douces, médecines naturelles, tout ce qui est en rapport avec les pratiques douces comme le yoga, le pilates, toutes ces choses-là, peut-être que votre entreprise va tourner autour de ça.
parler, par exemple, ou donner des cours sur Internet de yoga, de pilates, ou commencer un site Internet sur, par exemple, les huiles essentielles, etc. D'accord? Alors, c'est simplement pour vous dire que ce qu'on vous donne comme information aujourd'hui, c'est si vous avez l'intention de créer quelque chose, si vous avez l'intention de ne pas rester assis sur vos lauriers et de pleurer sur votre sort parce que tout le monde est dans la même galère en ce moment et que vous décidez de retrousser vos manches, de vous donner une certaine forme de discipline pour progresser, pour avancer, pour ne pas baisser les bras et trouver un moyen de vous en sortir professionnellement et financièrement. On vous dit cette fois-ci, vas-y avec tes aspirations, vas-y avec ce qui te plaît le plus. Il y a peut-être moyen de faire ça de façon virtuelle. Alors, fais travailler un peu tes ménages, mais ne perds pas de but ton objectif, ton projet, ton objectif. Hein. Sois discipliné aussi dans ce que tu veux faire. Et si tu veux arriver à quelque chose, bien, tu dois te donner, par exemple, un horaire concret, respecter cet horaire-là, par exemple. Mais c'est de te donner les moyens de faire quelque chose qui va te plaire. Ça peut être difficile et compliqué pour commencer, mais une fois que tu vas être habitué, tu vas être rendu dans une forme d'habitude, bien, les choses vont commencer à rouler, d'accord? Et on va t'apporter l'inspiration. On le voit d'ailleurs, même au niveau de la personnalité, on nous parle de l'inspiration qui va venir pour certains d'entre nous. Alors, justement, au niveau de la personnalité, on vous parle justement de saisir les opportunités qui se présentent à vous ou saisir ou provoquer certaines opportunités, hein, donc aller à la recherche de quelque chose qui va vous aider. Mais moi, j'ai aussi l'impression qu'on vous dit de saisir l'opportunité que vous avez maintenant, le fait qu'on est dans une situation particulière, tout le monde ensemble en même temps, c'est le bon moment pour aller chercher la meilleure partie en soi et la faire jaillir et la montrer au monde. Hein. On a tous quelque chose de particulier en soi. Alors, c'est d'avoir le courage, la volonté, la discipline aussi, de se mettre en avant, de montrer nos propres couleurs et de montrer au monde qu'est-ce qu'on a à apporter. Alors, saisir l'opportunité de cette malchance, hein, parce que dans tout ce qui se passe, qu'on considère négatif, il faut savoir sortir ce qu'il y a de positif à l'intérieur. Alors, c'est une opportunité de réflexion, c'est une opportunité de prendre le temps de réfléchir à sa propre vie, à ce qu'on veut, à où on veut aller, dans quelle direction on veut aller, hein, avec la roue de fortune ici. Alors, c'est à nous, en fait, de créer notre propre chance. C'est ce qu'on vient nous dire ici. Tout ce qui nous manque, en fait, parce qu'on a tous les outils nécessaires pour pouvoir réussir, c'est ce qu'on vient nous dire ici avec le battleur, hein, ou le magicien. On a tous les éléments en main, on a tous les outils. Tout ce qui nous manque, c'est la volonté de passer à l'action pour pouvoir créer notre propre réalité. D'accord? On a la roue de la vie ici, la roue de la chance, l'opportunité. Et en plus, on a l'inspiration qui vient au niveau du travail. On est dans les bâtons ici, on a l'as de bâton. Et les as dans le tarot, c'est toujours des cadeaux de la vie. Alors, vous allez avoir certaines inspirations, vous allez avoir la capacité de faire quelque chose de bon avec ce que vous avez en main. Avoir le courage de foncer, hein, de nourrir aussi cette flamme intérieure, hein, que peut-être vous avez laissée de côté depuis un certain nombre d'années. Ce qui vous passionnait auparavant, pourquoi ne pas voir comment vous pouvez l'exploiter aujourd'hui d'une façon virtuelle, par exemple?
Alors, créez quelque chose de nouveau et créez votre propre chance ici. On vous dit encore une fois avec le chariot qui apparaît au niveau professionnel, au niveau de la personnalité, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas, continuez d'avancer, continuez de progresser, même si ce ne sont que de petits pas à la fois. Si vous êtes discipliné, si vous croyez en vous, si vous avez confiance en vous, vous allez progresser, même si c'est très peu à la fois, même si c'est très lentement que vous avancez tout de même. Alors, gardez votre focus sur votre objectif. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez arriver? Et c'est pas toujours facile de conduire un char hein, pour se rendre à un endroit particulier, à un endroit précis. Le chariot, quand on regarde cette carte, ici, c'est des sphinx, mais souvent sur les tarots, c'est des chevaux qui semblent ne pas aller dans la même direction, qui sont de couleurs différentes, qui regardent dans directions différentes. Alors, c'est difficile de manier le chariot pour arriver à notre objectif ou à notre un endroit précis. Mais c'est vous quand même qui tenez les rênes et c'est vous qui faites votre propre chance, qui crée votre propre chance ici. Et sachez toujours que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, au niveau des amours, pour ceux qui sont en couple, alors pour ceux qui sont en couple, hein, je reviens un petit peu, hein, vous savez que le domaine de la personnalité, ça peut toucher tous les aspects au niveau professionnel, amoureux ou spirituel. Et j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, je souris parce que, justement, je crois la semaine dernière, on en avait parlé également, que c'est le bon moment de travailler ensemble, c'est le bon moment hein, en tant que couple parce que notre vie, elle est d'une façon ou d'une autre déstabilisée au niveau professionnel, au niveau financier. Et là, c'est le bon moment pour essayer de travailler de pair avec votre partenaire de vie pour peut-être vous aussi vous créer une petite entreprise ou quoi que ce soit ou avoir des projets communs. Et c'est ce dont on nous parle ici, justement des projets. Mais on sent que cette semaine, il y aura probablement des... peut-être pas nécessairement des conflits, mais peut-être des mésententes. Et vous allez faire face, disons, à certaines vérités que votre partenaire va vous apporter. Alors, ça sera pas toujours dit avec des mots d'amour et de sagesse. Peut-être qu'on va vraiment ruer dans les brancards, soit vous ou soit votre partenaire. Mais on sent vraiment que un d'entre vous ou tous les deux, vous allez mettre votre pied à terre. Vous allez être peut-être en désaccord pour certaines choses, mais vous allez tenir à vos convictions. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande, de tenir ferme à vos convictions et de dire des vérités, même si ça peut parfois blesser, mais essayez de trouver une façon de le dire pour que ça ne blesse pas trop votre partenaire. Parfois, c'est inévitable, mais essayez de mettre un petit peu des gants blancs pour dire certaines choses. Mais quand même, il faut garder, il faut être, avoir le courage de nos convictions, bien sûr, mais toujours garder en tête que, avoir une certaine ouverture d'esprit également. Parce que, oui, vous pouvez tenir à vos convictions, vous pouvez tenir ferme à vos convictions, mais gardez toujours une petite porte ouverte pour... apprendre quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de l'autre. Peut-être que l'autre personne n'a pas tout à fait tort en tout point et que vous n'avez pas raison en tout point. Alors, ayez le courage de vos convictions, mais soyez capable aussi de vous asseoir, de discuter calmement et de regarder toujours dans la même direction hein, ensemble si vous avez un projet commun, parce qu'on me parle ici de travail en équipe, hein, de travail minutieux en équipe. Vous travaillez fort en ce moment, peut-être pour créer quelque chose ensemble, hein, soit un projet, soit une business, peu importe.
Vous avez des projets, ça c'est certain. Il y en a peut-être qui ont des projets aussi d'avoir des enfants, quoi que ce soit, mais vous avez aussi des convictions auxquelles vous tenez ferme. Mais on vous dit ici de garder l'esprit ouvert tout de même, parce que l'autre également a quelque chose à vous dire là-dessus. Et peut-être que vous allez apprendre quelque chose, ou peut-être vous allez tirer profit de ce que l'autre personne a à vous apporter. Alors, travaillez de pair, continuez de travailler ensemble sur vos projets, peu importe ce qu'ils sont, professionnels, familiaux ou peu importe, mais essayez de garder une communication franche, honnête, mais avec tact. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour vous, mes chers célibataires, on est encore dans cette énergie de guérison, besoin de guérison pour vous, mes chers amis. Encore une fois, tempérance qui est apparue dans votre tirage. Alors, pour moi, c'est clair et net, précis, parce qu'on va le voir aussi au niveau de la spiritualité. Vous avez besoin de prendre le temps de vous guérir de vos anciennes blessures. Et en ce moment, semble un moment tout indiqué pour faire ça, parce que on est dans une période où tout le monde doit rester chez soi, en tout cas en général, et on est obligé d'être avec soi, d'accord, de connecter avec soi. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Profitez de cette période-là pour connecter avec vous et pour commencer à guérir certaines choses, hein. Parce que, en fait, votre but, mes chers célibataires, c'est de vivre le 10 de denier. Là, le 10 de denier, ça nous parle de la plénitude, ça nous parle de vivre en sécurité dans une relation de couple. Si, pour ceux qui veulent être en couple, bien sûr, même si vous ne voulez pas être en couple, même si vous voulez rester seul, il y en a pour qui le couple n'est pas un but, mais vous avez tout de même envie de vous sentir en sécurité, d'aller chercher tout le bonheur possible, de vous sentir bien dans votre peau. Alors, peu importe ce que vous voulez, un couple ou non, bien, vous voulez être bien dans votre peau, dans votre environnement, au niveau professionnel, au niveau de la stabilité financière, peu importe, hein. Alors, pour arriver, peu importe ce que vous voulez dans votre vie, à être bien, vous devez passer par le processus de guérison essentiellement. Hein, vous devez passer par ce processus de guérison. Ce qu'on vient me dire ici, c'est que vous devez rechercher l'équilibre. On a la justice et on a le 4 de bâton. Vous devez en fait travailler sur vos fondations. Vous, en tant que célibataire, pour être une personne, disons, accomplie ou une personne bien dans sa peau, une personne solide, on doit d'abord travailler sur nos fondations. D'accord? Vous devez travailler sur vos fondations. Quand on est en train de construire une maison, de diriger un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu pour que la maison soit solide, pour éviter que la maison ne s'écroule? Bien, on travaille sur les fondations. Ça, c'est la première étape essentielle pour être en équilibre, pour se sentir bien en tant que personne. C'est de travailler sur vos fondations, de trouver votre équilibre. Et qui sait, hein, cette carte-là du 4 de bâton, c'est peut-être annonciateur d'une célébration éventuelle. Que ça nous parle de mariage ou d'union, peut-être que pour les personnes qui veulent être en couple, éventuellement, c'est annonciateur d'union éventuelle. Mais d'abord, on doit faire ce processus de guérison. La justice peut être aussi annonciateur de mariage ou d'union, hein. La justice, c'est la signature de contrat. Mais là, on est dans le domaine amoureux. Alors, c'est peut-être, ça nous parle peut-être de mariage ou d'union, mais ça nous parle surtout, pour le moment en tout cas, de retrouver votre équilibre.
D'accord? Alors, toutes les personnes qui ont besoin de guérison au niveau de vos relations passées, de vos blessures d'enfance, peu importe, vous devez passer par ce processus-là avant de pouvoir espérer trouver la plénitude dans une relation de couple ou dans votre vie en général. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, on est dans une situation particulière. C'est difficile d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Hein. On peut difficilement sortir pour avoir des échanges, par exemple, avec des intervenants, des psychologues ou quoi que ce soit. Alors, faites des recherches si vous avez besoin de travailler sur vous-même avec l'aide d'un professionnel. Cherchez sur Internet pour voir si vous pourriez trouver des ressources professionnelles au niveau psychologique pour vous aider à traverser cette période. Et finalement, au niveau spirituel, ben, c'est encore ce qu'on nous dit, et ça, c'est pour tout le monde, que ce soit parce que vous êtes célibataire et que vous voulez être en couple, ou que peu importe, hein, on ne parle pas ici de couple en particulier, on parle d'aller chercher les ressources avec le roi de Denier, hein, d'aller chercher les ressources pour... se débarrasser, en fait, des mauvaises énergies du passé. Alors, de guérir les blessures du passé, de guérir les anciennes relations. Et ça, ça va assurer, en fait, parce qu'on est dans la spiritualité ici, ça va nous assurer d'être bien soi-même dans notre propre environnement intérieur, mais aussi de faire en sorte que ceux qui nous entourent soient bien à notre contact également. Donc, quand on travaille sur soi, on attire à soi aussi des gens qui sont bien à notre contact. Alors, le roi de Denier, c'est un personnage qui va s'assurer, qui va travailler d'arrache-pied pour s'assurer que sa famille et ses sujets soient bien, qu'il ne manque de rien. Et c'est ce qu'on vous demande au niveau spirituel pour que vous soyez capable de donner aux autres le meilleur de vous-même. Vous devez d'abord être bien avec vous-même. Et souvent, ce qu'on va demander au roi de Denier dans le tarot, c'est de se reposer parce qu'il travaille tellement fort qu'il a droit à son repos aussi. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici, de vous reposer l'esprit. On est dans une période où on est forcé de s'arrêter tous et chacun. Alors, profitons de ce moment-là pour s'arrêter et arrêter un petit peu nos pensées également pour travailler sur des points particuliers. Alors ici, le 6 de coupe nous parle des choses du passé, nous parle de la nostalgie, nous parle peut-être des anciennes relations également. Donc, travaillez à vous guérir de vos relations passées, de vos blessures d'enfance pour pouvoir vivre mieux votre vie aujourd'hui ou dans le futur. Et la période présentement, c'est le meilleur temps pour le faire. Alors justement, avec l'oracle Lumière, j'ai pigé quelques cartes qui nous parlent encore une fois du balayage du passé. Hein. C'est vraiment cette énergie qu'on est en train de nous donner ici. Travaillez sur vos blessures du passé, mettez les choses du passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui derrière vous. Et pour faire ça, ça prend du travail. Et ça va vous permettre de vous découvrir vous-même, hein, de découvrir des choses sur vous, sur la vie et sur les autres également. Alors, le fait de s'arrêter, le fait de faire du ménage nous permet... Hein, vous savez, quand vous faites le ménage de votre maison, quand vous faites le ménage du printemps, par exemple, mais souvent, on tombe sur des choses qu'on avait oubliées depuis longtemps, on retrouve des choses qu'on avait oubliées depuis longtemps. On découvre des choses dans des petits raccoins. Alors, c'est un peu la même chose ici. En faisant du ménage, vous allez découvrir des choses en vous, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, que vous vouliez les garder ou les travailler davantage pour qu'elles deviennent de plus en plus positives ou que vous vouliez vous en débarrasser, par exemple, des comportements compulsifs ou des comportements négatifs, bien,
peu importe ce que vous allez découvrir, c'est en les découvrant que vous allez pouvoir prendre des décisions à savoir quoi faire avec, avec cette situation, avec ce comportement, avec ces idées, avec ces pensées. Et on a la carte jeunesse encore une fois parce que bien souvent, les gens semblent vouloir plutôt s'étourdir en faisant des activités de toutes sortes, à gauche, à droite, pour oublier leur mal. Mais ici, on vient vous dire que justement, les choses du passé doivent être traitées. Les choses, les blessures de l'enfance, les blessures du passé, les blessures des anciennes relations, les blessures parents-enfants, par exemple, doivent être traitées pour pouvoir... c'est pas le moment de s'étourdir ou de s'engourdir, d'engourdir nos sentiments, mais plutôt de travailler dessus. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, profitez de ce temps de quarantaine ou de confinement, peu importe, hein, pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour reconnecter avec vous-même et reconnecter avec votre partie divine. Donc voilà, mes chers amis, c'était comment être à son meilleur cette semaine encore une fois. J'espère que ça vous a parlé d'une certaine façon ou d'une autre. Sinon, bien, c'est certain qu'il y a plein d'autres vidéos qui peuvent peut-être vous toucher. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à avoir, comme au début de la vidéo, je vous disais d'avoir des pensées particulières pour toutes les personnes qui prennent soin des autres, d'une façon ou d'une autre. Ayez de belles pensées pour cette personne-là. Et encouragez les chaînes. Vous savez, on est tous dans le même bateau. C'est difficile pour tout le monde au niveau professionnel, au niveau financier. Alors, toutes les personnes que vous appréciez sur les chaînes YouTube ou ailleurs, si vous êtes capable de les encourager d'une façon ou d'une autre, encouragez-les, que ce soit monétairement ou simplement en mettant des likes, ça peut aider d'une façon ou d'une autre. Hein. Vous savez, tout le monde travaille fort, alors encouragez les personnes que vous appréciez. Alors voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Continuez de suivre les consignes. Et plus vite, plus on va suivre les consignes du gouvernement pour ce qui se passe actuellement, plus on va se débarrasser rapidement de ce virus. Alors voilà, mes chers amis, soyez prudents. Prenez soin de vous et de votre entourage. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.